Le nouveau président de Sao Tomé, Evaristo Carvalho, a fêté sa victoire lundi lors d'un show à l'américaine devant des milliers de personnes dans le petit archipel africain d'à peine 200 000 habitants. Carvalho, soutenu par le premier ministre Patrice Trovoada, a été élu dimanche dès le premier tour avec 50,1% des voix, suscitant la contestation de ses adversaires. Son programme, lutter contre la pauvreté qui touche deux tiers de la population. La pauvreté va diminuer avec la qualité de l'enseignement, avec l'emploi, avec la qualité des soins. J'ai la certitude que le niveau de la pauvreté sera plus bas. Sous réserve de la validation par le tribunal constitutionnel, cette victoire permet au charismatique Premier ministre Patrice Trovoada de gagner son pari, mettre fin au partage du pouvoir et gouverner avec un président de son parti, l'Action démocratique indépendante, déjà vainqueur des élections législatives en 2014.